à faire. Alors, il y a eu un impact dans son windshield. Pas très gros, mais on voulait pas que ça fissure. Ben, ça fissurait, fait qu'on voulait pas que ça empire. Et là, on vient d'aller au le beau vitré de tout. Fait que ça a vraiment donné quelque chose de bien. Hein. Ça paraît presque plus. Là, en plus, avec la pluie, on le voit juste pas. Là, on est en route pour aller chez Desjardins. Mon chum, il y a une commission à faire là. Après ça, on s'en va à la maison. On va se faire un bon déjeuner fou, malade dans la tête. Ça va être vraiment bon. On a déjà parti le bacon un matin avant de partir. Fait qu'il est déjà cuit. Il va juste rester à le réchauffer. On veut se faire des bagels avec œufs, bacon, fromage, toute la patente. Ça va être débile. Fait que on vous amène avec nous. Moi, faut que je passe au métro aussi aller chercher du liquide à café. Puis c'était quoi? Des citrons pour le souper de ce soir. Fait que c'est le plan de match pour aujourd'hui. Vidéo pour samedi. Il me reste juste le montage à faire que je vais faire ce soir. Restez à l'affût parce que je vais vous poster une petite sneak peek, pas trop, de la vidéo qui s'en vient sur Facebook puis Instagram. Je vais vous mettre les liens dans la barre d'infos. Donc comme je vous ai dit, j'ai inversé le mercredi soir, ça va être mes vlogs, puis le samedi, ça va être mes vidéos principales. Donc je vais ignorer un petit peu la musique en arrière, c'est mon chum qui joue à Mario Bros, là. Mais c'est ça, je vais vous montrer en fait ce que j'ai préparé pour souper, ça devrait être vraiment bon, là. Je vais vous montrer ça. Fait qu'on a préparé de l'aigle fin. Avec une, dans le fond, on a utilisé de la, j'ai mis à peu près une tasse de farine de quinoa avec, j'ai mis de la chapelure italienne qui appelle, là, je vais vous montrer c'est laquelle. Donc, c'est celle-là. Donc, italienne, il y a du parmesan dedans, il y a plein d'affaires. Okay, ça va vraiment être bon. J'ai rajouté aussi de l'ail. Désolée, je suis un petit peu mal pris, là. Donc, j'ai rajouté aussi de l'ail. J'ai rajouté de la poudre d'ail, j'ai rajouté des épices là, hein, qui faisaient partie dans le fond donc qui faisaient partie de la liste d'ingrédients. J'ai rajouté les mêmes affaires dans le fond. J'ai rajouté de la poudre d'ail, des épices, il me semble, je sais pas si j'ai mis des épices à beefsteak, mais en tout cas. De l'origan, ça j'en ai rajouté, puis du persil, donc j'ai rajouté ça. Pour rajouter encore plus de goût. Donc c'est ça, fait qu'on a pané ça avec œufs, farine. Donc il y a mon beau bordel en arrière parce que je viens de tourner une vidéo. Donc fait que c'est ça. Puis pour les patates, j'ai mis dans mon extra chef, mais l'ancienne génération. J'ai mis de l'ail avec sel poivre, de l'huile d'olive. J'ai même rajouté des épices fines herbes. Ils sont sans sel, sérieux, faut que je vous montre ça parce qu'ils sont vraiment bonnes. Moi, je rajoute mon sel d'Himalaya à moi pour essayer de couper le sel un peu. C'est de Mrs. Dash, comme c'est ici. Ils ont celle-là, Finzer, puis ils en ont une aussi au... Ah oui, ils ont aussi un sel, c'est-tu la même affaire? Sel épicé, encore gourmet. Donc ça aussi, j'en ai mis, il me semble, dans ma panneur. Puis c'est ça, il y en a un autre genre fines herbes et citrons là, qui est vraiment bon, que j'aime bien faire sur du poisson. Ben c'est ça, moi je rajoute mon sel rose de l'Himalaya pour contrôler plus le sel parce que c'est mieux que du sel de table. Donc c'est ça, je vais vous montrer ce que ça donne, je l'ai mis dans mon air fryer. Donc c'est ça que ça donne, j'ai mis des oignons, des échalotes, de l'ail, sel, poivre. Fait que ça devrait être pas mal bon, fait que là c'est dans mon petit air fryer, c'est en train de cuire. Donc ça dans le fond c'est une friteuse... sans huile. Pour vrai, je l'aime tellement. C'est comme deux compartiments. Ça se défait un de l'autre. Ça va au lave-vaisselle.
Habituellement, il y a un bouton de sécurité, mais vu que je l'utilise à tous les jours depuis genre un an et demi, ben, je veux pas, un moment donné, il vient qui brise. Puis pour vrai, c'est une friteuse sans huile ou très peu d'huile. Donc moi, le seul moment où est-ce que je vais mettre de l'huile, c'est quand je fais des affaires comme nature, que j'assaisonne moi-même. Donc ça va être juste vraiment pour que l'assaisonnement colle à mon aliment. Donc soit patate, soit chou-fleur, brocoli. Donc je fais juste ajouter de l'huile pour que ça colle dans le fond. Puis là-dedans, ce que moi je fais, c'est que j'ajoute vraiment plus d'épices qu'à l'habitude, pour vraiment que ça imbibe, vu que ça cuit un petit peu plus vite qu'au four, on dirait que ça rentre moins dans l'aliment. Puis je voulais vous montrer aussi le café que je me suis fait à matin. C'est tellement le meilleur café instantané, là. Moi, je bois pas ça, du café instantané, ça m'écœure. Puis ce café instant-là, là, tu sais, c'est pas des gros grains. Il est vraiment tout petit, puis my God, qui est bon. Écoutez, quand on met de l'eau, là, dedans, ça devient full... crémeux limite là, ça fait comme de la mousse, ça devient mousseux. Il est tellement bon, fait que moi c'est le café que j'achète. Puis il est pas tant cher là, c'est comme 6$ là pour vraiment une coupe de café, parce que moi j'allais tout le temps chez Tim quand je travaillais, parce que c'est le seul qui est comme à côté du travail, fait que ça me revient quand même vraiment moins cher. Fait que je vais vous retrouver pour vous montrer le petit résultat final. J'ai replanté mes plantes araignées aussi, parce qu'il y avait un petit peu mal à la vie. Je suis pas bien bonne avec les plantes, je me réessaye. Je me dis qu'avec ça, ça va peut-être être plus facile de moi m'en occuper. C'est comme avec une pompe. Fait que je l'ai replanté un dans lui. Bon, mon chat joue avec. Mon chat aime bien les plantes araignées, là. J'ai jamais eu de trouble, là. Ça fait un bout qu'elle joue dedans, puis elle a jamais eu de problème. Puis là-dedans, j'ai décidé de planter des haricots. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu ma petite truc, comment ça marche. Fait que, juste, c'est vraiment nice pour vrai. Ça fait un petit geste, c'est super facile à contrôler. Moi, j'avais tendance à trop arroser ou oublier. Fait que c'était comme tout ou rien avec moi. Donc, j'en ai profité aussi pour changer mon petit poisson, parce qu'à un moment donné, ben, faut le nettoyer. Puis, je me suis dit, cette semaine, je vais lui donner un congé de petits plats avec couleur. Fait que ça va donner un break. Fait que c'est ça, fait que je vais ramasser mon beau bordel que j'ai fait pour filmer. Puis on se retrouve tantôt pour vous montrer ce que ça donne le souper. Donc pour le verdict du souper, le poisson c'était bon, mais c'est parce que d'après moi il était prêt trop tôt. Fait que il était comme tiède, il était pas aussi croustillant que prévu. Puis les patates étaient... Désolée pour mes cheveux, là. Mais les patates étaient vraiment bonnes, pour vrai, là, à refaire. La recette était vraiment facile à faire, comme je vous ai dit. Des oignons, de l'ail, ça goûte l'ail, là. Je veux pas, j'ai mis 3 gousses d'ail entières. Avec un oignon, avec de la sriracha, de l'huile d'olive pour faire en sorte que ça colle. Avec sel rose d'Himalaya, puis poivre. J'essaie de réfléchir s'il y avait d'autres choses, mais je ne crois pas. Ah oui, les épices sans sel que je vous ai montré tantôt, les fines herbes. Fait que c'était pas mal ça. Pour vrai, là, c'était vraiment bon. C'était super savoureux. Pour vrai, on va le refaire, ça c'est sûr. Donc c'est ça, j'ai pris mon extra chef. J'avais tout haché. Ça prend 2 secondes, c'est génial. Fait que là, c'est ça. Je vais continuer mon montage. Puis en ce moment, on écoute La Dame Blanche d'Ergel de Le Grand Jeudi. Donc, on écoute ça tranquillement. Il est 9h. 9h10. Tu l'as avancé ou pas? Tu l'as avancé? Donc, il est 9h. Bientôt, on va aller dans la douche. J'aimerais ça faire un défi une semaine que je me maquille à tous les jours. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que moi, dans la vie, je me maquille pas tout le temps. Tu sais, je vais me maquiller vers eyeliner avec un petit peu de rouge à lèvres, mais c'est pas mal tout, tu sais. En général, là, la grosse étape que je rajoute, c'est mettre du cache-cerne, si j'y pense, puis si ça me tente. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, que je fasse mon teint, puis tout, à tous les jours, de prendre le temps, donc que je me donne le défi de, ça veut pas dire que je vais réussir, parce que je suis une dormeuse le matin. Fait que c'est ça, dites-moi si ça vous intéresse. Puis aussi, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'avais pensé à une autre affaire aussi.
de faire le jeûne intermittent. Désolée pour ça. Donc, le jeûne intermittent sur une semaine. Donc, ça a plein de bienfaits. C'est sûr que si je fais la vidéo, je vais tout vous expliquer ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, il est rendu très tard. J'aimerais vous dire une bonne soirée, bonne nuit. Il est rendu minuit. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Abonnez-vous. Ça va me faire vraiment plaisir que vous abonniez, qu'on agrandisse un petit peu la famille. N'hésitez pas à liker ma vidéo aussi. J'espère que vous allez... Si jamais vous refaites mes petites recettes, j'aimerais ça avoir des nouvelles. Puis, dans le fond, dans la barre d'infos, comme d'habitude, il y a mon compte Facebook et mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça et vous abonner également. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Bisous!